Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Coolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de survivre aux monstres dans Guerre des Monstres. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir aller dans le mode créatif et sélectionner le code que je vous voyais à l'écran, donc le code qui est le 416430906037. Le code sera bien sûr en description, en commentaire épinglé. Donc là, vous sélectionnez la map, vous lancez la map en partie publique et là, je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Ok, donc quand vous êtes dans la map, déjà, il va falloir attendre que la partie démarre. Donc vous avez un petit chrono en bas. Là, je dois encore attendre 30 secondes. Ok, donc j'arrive pas à lancer en mode public, donc je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire en mode privé. Donc là, j'ai lancé le mode en mode privé parce que ben, le mode public, il est bugué pour l'instant. Donc là, j'ai appuyé sur option, j'ai été dans le lancer menu. Ok, donc là, ici, vous allez devoir attendre 12 secondes. Ensuite, vous allez devoir choisir votre team. Donc soit les rouges, les bleus, les jaunes, les verts. Et ensuite, vous allez devoir tuer des monstres. Enfin, pas des monstres. Vous allez devoir vous battre contre d'autres joueurs. Donc on va choisir la team dinosaure, hein. C'est parti, la team rouge. Donc ici, vous allez pouvoir acheter des choses, des objets. Mais il vous faudra des pièces d'or pour ça. Et pour obtenir des pièces d'or, ben, il faudra vous battre et détruire les monstres adverses. Donc là, regardez, ça c'est mon monstre, le monstre de la team rouge. Et ce que vous allez devoir faire, en fait, vous, c'est de vous rendre dans les emplacements des autres camps. Donc là, il y a la team verte, team jaune, team bleue. Et ce que vous allez devoir faire, c'est de détruire le monstre de l'autre team. Donc, est-ce que je peux vous le montrer là? Est-ce qu'on le voit le monstre? Non, là je le vois pas. Ok, donc déjà ici, il y a des matériaux que vous allez pouvoir récupérer. Donc, récupérer des matériaux. Ensuite, vous allez essayer de rejoindre ben, les autres emplacements des camps, les autres camps, les autres joueurs. Après, reprenez les matériaux qui sont aussi au milieu. Et là, on va rejoindre les autres joueurs. Donc là, il y a... Ah si, il y a le monstre. On peut voir le monstre. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne en solo. On va quand même essayer. Hop. Parce que si ça fonctionne en solo, bah, faites-le en solo. Hein. Et là, le but, c'est de tuer le monstre. Alors, par contre, on ne voit pas sa vie. Ah si, on voit sa vie. Regardez. À droite, il est marqué « Objet à détruire ». Donc là, je suis en train de détruire le quatrième objet. Donc là, je le fais à la pioche. Hein. Attention, il n'y a personne. Et peut-être que ça fonctionne même en solo. Hein. Si ça fonctionne en solo, ben, tant mieux, vous le faites en solo. Ce sera beaucoup plus simple. Sinon, l'objectif, hein, c'est de défendre votre dinosaure, enfin votre monstre, et de détruire le monstre des autres. Et pour terminer le défi, vous allez devoir détruire 3 monstres. Alors, comme vous êtes en équipe, si votre équipe détruit le monstre, tue le monstre adverse, normalement, ça devrait valider quand même votre défi. Hein. Donc là, regardez, hop, je l'ai bientôt détruit. Hop, et effectivement, survivre aux monstres dans Guerre des Monstres, ça fonctionne. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de le faire en solo. Ce sera beaucoup plus simple. Donc là, ce que vous faites maintenant, c'est que vous allez rejoindre l'autre emplacement, l'emplacement de la deuxième team, et détruire le monstre de la deuxième team. Donc moi, ah, je peux pas récupérer les matériaux des autres adversaires. Donc je suis obligé de retourner dans mon camp pour récupérer des matériaux ou alors venir à l'intersection des camps parce que là aussi ça vous donne des matériaux. Donc regardez, hop, je récupère des matériaux et là on va aller voir l'autre camp. Ah ben je suis tombé. Ah, je perds tous mes matériaux. Je crois que j'ai perdu tout même. Oh, j'ai perdu tous mes matériaux. Ah, j'ai le seum un peu. Bon, c'est pas grave, là j'en ai récupéré blindé, j'en ai 500 quasi. Donc on va aller à un autre emplacement, à un autre camp, tuer l'autre monstre. Donc voilà, là j'arrive dans le camp de l'autre des joueurs verts. Et là, ben, c'est pareil, hein. Vous détruisez le monstre. Et quand vous aurez détruit 3 monstres au total, ben, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace!